Depuis le coup d'envoi de la saison, la JSK a disputé 4 matchs, enregistrant 2 défaites à domicile contre le MC Alger et le CS Constantine. Ces résultats médiocres mettent en lumière les faiblesses de l'équipe, notamment le manque d'options solides sur le banc. Cette situation accroît la pression sur l'entraîneur et ses joueurs, surtout face à des adversaires bien préparés. La direction du club doit maintenant réagir rapidement pour éviter d'autres contre-performances. Pour solidifier l'effectif, la JS Kabylie explore activement plusieurs options, dont 2 cibles principales. D'après DZ Ballon, Sofiane Ferrouli et Raïs Mboli, 2 anciens internationaux algériens actuellement sans club. Ferrouli, ancien milieu de terrain de Galatasaray et du FC Valence, est connu pour sa polyvalence et pourrait apporter une expérience précieuse. Raïs Mboli, l'ancien gardien emblématique de l'équipe nationale, pourrait protéger les cages en attendant le retour de Merba, le gardien titulaire. Cependant, un obstacle majeur bloque ces négociations, les exigences salariales élevées des 2 joueurs. Leur salaire dépasse largement les normes du championnat algérien, compliquant ainsi leur intégration dans l'équipe. Malgré l'intérêt évident du club, la JSK devra faire preuve de créativité pour convaincre ces 2 joueurs de rejoindre les Canaries et redresser la situation.